Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Russie.fr à Novgorod Veliki. Je me fais un petit arrêt ici pour vous montrer le bâtiment qu'il y a derrière moi. Il est plutôt sympa. L'architecture, je trouve, est intéressante. Ça détonne un peu du reste. Les Russes ont des petits trucs magiques comme ça de temps en temps. Je trouve ça vraiment joli, c'est bien foutu, c'est bien mis en valeur. Donc la grande affiche au milieu, dessus, c'est marqué Kino Center. Kino Center. Kino, c'est le cinéma. Center, c'est un centre. Donc un centre de cinéma, autrement dit, un cinéma ou peut-être pas un multiplex, mais bon, il doit y avoir plusieurs salles de cinéma là-dedans. Et le cinéma s'appelle Rassiya. C'est écrit juste en dessous. Cinéma Russie, donc sans surprise. Kino Center, c'est le cinéma. On va se rapprocher un petit peu pour voir ce qu'il y a à l'affiche. Ok, donc je me suis rapproché de la vitrine du cinéma. Et vous voyez qu'elle est quand même plutôt belle. Il y a des petites lumières et tout, ça a l'air tout cosy. Je suis sûr que c'est génial d'aller voir un film là-dedans. Même si on comprend pas, j'adore faire ça. Parce qu'on comprend quand même des choses, même si on comprend pas tout dans la langue. Là, on a ici Skoro. Skoro, ça veut dire bientôt. Donc autrement dit, bientôt sur les écrans. Il va y avoir ce film-là. Ce film-là s'appelle Robot po imeni Chapi. Robot po imeni Chapi. Ça veut dire un robot du nom de Chapi. Alors, je sais pas trop ce que c'est que ce film, mais ça a l'air assez rigolo. Il fait des petits dessins sur les murs, vous voyez, ce robot. Autrement dit, il doit se passer quelque chose dans ce film. Donc, Skoro, ça c'est bientôt l'affiche pour ce film. Et ici, on a Blizhaishaya Premiera. Blizhaishaya Premiera. Premiera, c'est une première. Blizhaishaya, ça veut dire la plus proche en fait. La prochaine première, ce sera ceci. Donc là, on a un film qui s'appelle Nie Ulovimye. Nie Ulovimye, ça voudra dire les inattrapables, hein, ceux qu'on ne peut pas attraper. Ça ressemble un peu au parcours. Vous savez, ceux qui grimpent sur les immeubles un petit peu partout, qui font des sauts. Et ça s'appelle le parcours. C'est assez populaire en Russie. Et là, on dirait bien que ceux que l'on ne peut pas attraper, Nie Ulovimye, eh bien, c'est sur ce thème-là. Donc voilà, prochainement sur les écrans. Donc ça, c'est la prochaine première. Le prochain film qui sort, c'est celui-là. Là, on a Sivonia, ça veut dire c'est ce qui joue aujourd'hui. Et on a le film de Disney qui s'appelle Zalushka. Zalushka. Si vous reconnaissez l'affiche, vous saurez ce que ça veut dire mieux que moi, parce que Zalushka, je ne connais pas ce mot-là. Et on peut continuer plus loin, parce qu'il doit y avoir d'autres films. Il y a ici, effectivement, Sivonia. Toujours aujourd'hui à l'affiche. Et on a Sniper, le Sniper. Le Sniper de Clint Eastwood, bien sûr, que vous connaissez peut-être. En tout cas, voilà pour ce cinéma. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette petite vidéo. C'était la Minute Russe. Un petit peu à rallonge, on est en Russie, on en profite. Et laissez-moi votre commentaire, comme d'habitude, juste en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous redonne rendez-vous pour la prochaine vidéo, très prochainement. Toujours en direct de Russie. Merci, à très bientôt. Et inscrivez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir la suite. Merci.